C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le pass sanitaire obligatoire pour les salariés en contact avec le public. Alors comment s'est passée cette première journée pour les salariés eux-mêmes et les employeurs? Illustration à la Cité du vin de Bordeaux avec Jean-Pierre Stahl et Jean-Michel Litvin. Depuis ce matin, les salariés de la Cité du Vin arrivent portables à la main pour présenter leur passe sanitaire. Une formalité désormais obligatoire pour ces personnels en contact avec le public. On a été prévenu à l'avance, effectivement, qu'à partir de ce matin, du 30 août, les passes sanitaires allaient être vérifiées. Donc oui, tout à fait, je ne suis pas surprise. C'est un petit peu la suite logique. On le fait à nos visiteurs depuis plus d'un mois. Donc on est avec des visiteurs toute la journée. Ça me paraît plutôt logique. Moi, par exemple, je ne suis pas au contact forcément très direct avec les visiteurs, mais ça fait partie de la mesure. Donc on s'y plie sans mal. Ouais. Ils sont ainsi une centaine de salariés à avoir été avertis par mail et depuis une semaine lors de réunions quotidiennes. Ça a été effectivement assez bien compris et on a beaucoup privilégié la communication et les échanges avec les salariés. Beaucoup ont un pass sanitaire valide par le vaccin et d'autres aujourd'hui sont en cours aussi de réalisation. Certains salariés peuvent aussi faire le choix d'aller réaliser un test, soit sous la tente qu'il y a à côté de chez nous qu'on a mis devant ou pharmacie ou autre. Depuis le 21 juillet, le public doit présenter un pass sanitaire ou un test PCR négatif. Une mesure étendue désormais aux agents d'accueil. Très clairement, les quelques collaborateurs qui ne pourraient pas présenter un pass sanitaire valide ne pourront pas venir travailler à la cellule. Et puis au bout d'un moment, effectivement, si les choses ne sont pas réglées, on est obligé de suspendre le contrat de travail. On espère qu'on n'aura pas à le faire. La prochaine étape, c'est une réunion extraordinaire. Elle doit valider le fait que le salarié n'ait pas besoin au quotidien d'être contrôlé, ayant déjà justifié d'un pass sanitaire valide.